Allez, on va diminuer un petit peu le son. Salut tout le monde. Salut Miaou The Cat. Premier. Salut Dr. P. Salut Creeper de Paris. En plus, ça s'affiche en vert, ton pseudo Creeper. BJ. Bon. Hop. On est le samedi. Petit live du samedi. Petit grand live du samedi. En plus, j'étais prêt, donc j'ai démarré un petit peu avant. Salut banana.exe. Banano.exe. Donc, première partie de live, on fait du chapes.io. On va essayer de passer le niveau 16. Et deuxième partie, donc on va jouer jusqu'à 15h45 là. Petite pause pour le goûter. Et puis salut Tintin. Bon, non, pas de coup de vent. On a déjà pris ce patin avec de la grêle en plus. Je plaisante. Et deuxième partie, on va sur Minecraft Holycube. On s'occupera donc aurait un projet, on ira y faire un petit tour. Petit tour avant d'aller s'occuper après de nos affaires. Salut Mathéo, salut Renaud. Donc on est en train de construire cette forme. Vous avez vu, j'ai fait depuis le dernier live, je live sur Chapes que le samedi maintenant, le samedi en début de live. Donc dans la semaine je joue un petit peu. Donc j'ai préparé un peu, j'ai fait quelques trucs, et là, ben, doucettement, on est en train d'arriver à la moitié, 21 000. On va aller voir comment on peut améliorer un peu, donc je me suis fait une liste de trucs à faire. Améliorer le rendement de la forme niveau 16. Moulin bleu dans cercle blanc dans cercle carré bleu. Alors, cette femme. Alors, on m'a donné un truc. Je crois que c'est Skip ou un truc comme ça qui m'a donné un truc pour. Pour ici afficher en fait. Parce que ça devient illisible, hein, on est d'accord. Pour afficher le petit logo dans ça. On va aller le voir. Je sais pas si on peut le mettre à jour une fois qu'on l'a fait ou s'il faut le supprimer puis en faire un autre. Pour aller à ce point-là directement. Il y a une chose que j'ai faite hein, pendant la semaine, salut Mimiche, c'est que cette forme ici, là, le rond blanc dans la forme en forme de flèche bleue, là, 3 quarts de cercle plus un carré, plus un quart de carré, c'est la forme... Ah bon, là, on va l'avoir comme ça, là. C'est la forme qui permet de faire des copies. Or moi, comme j'en avais plus besoin... Ici, je l'avais, je l'ai jeté, je l'ai supprimé, et en fait, il fallait la garder, quoi. Donc, il a fallu que je la recrée. Au passage, on a une amélioration, niveau 5. Ah ben, j'ai bien fait de pas l'acheter celle-là. Ah ben, on l'a déjà du coup, parce que comme on en a produit plein, 90 000 sur 40 000. Ouais. Donc ça, c'est des formes qu'on doit toujours fabriquer, hein. Le rond magenta, et puis c'est le fameux shuriken, ça. Ouais, ben il est là, le shuriken, et puis le rond magenta, il est là. Donc, ça va continuer à progresser. En attendant, on a des convoyeurs, distributeurs et tunnels niveau 5. Ça booste. Ça, on le produit. Ça, cette forme-là, on la produit pas, il va peut-être falloir la faire. Et le moulin magenta dans un rond blanc, qui est lui-même dans un moulin magenta, il va falloir la faire aussi. Pour arriver au niveau 8, en vitesse 8, donc niveau 5, des découpages, rotation, empilage, mélange et peinture. Oh, tu m'en avais parlé au début du générateur de forme. Ouais, puis j'avais pas compris en fait. En fait, j'avais pas compris, j'allais dire, ouais, bon, c'est le moyen de coder les formes, mais c'est assez complexe en fait. Et... pour les balises, ouais. J'avais pas compris qu'on pouvait les utiliser dans les balises. Bon, on va essayer déjà d'améliorer le rendement de cette pièce. Il y a un truc intéressant ici au niveau des statistiques, ce qu'on produit. En regardant, je me suis aperçu que bah, le moulin dans le rond blanc, on en fait 570 à la minute. Mais du coup, comme on doit le mettre dans cette forme chelou. Comment on va appeler ça? Une horloge de cheminée? Ça fait penser à ça.
L'horloge de cheminée, on s'aperçoit. Donc là, 570, et l'horloge de cheminée, on n'en produit que 228. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en produit 228, alors que du coup, l'ensemble. Ah ben non, l'ensemble, on en produit 228. Ah oui, parce que lui, on en produit 228. Donc c'est cette forme-là qui bloque, je pense. Si on augmente cette forme-là, on va booster tout le truc. Bon. Ça se fait ici. Remontons dans le temps. Voilà. C'est cette forme-là qui bloque. On n'en fait pas assez. Ouais, là, ici, plein, plein. Ici, plein, plein. Et ici, déjà, on n'a que 1, 2, 3, 4. Mais bon, en même temps, je pense qu'on n'en a pas assez. Donc, le problème, c'est que ici, on est un peu limité en taille. Ça, je pense qu'on peut en faire plus. Salut, Lynn. C'était pas évident à expliquer à l'écrit, d'autant plus que tu étais pas super concentré. Non, mais c'était au début, j'étais noyé, je comprenais pas trop le principe. On va plutôt présenter ça comme ça, hein. J'étais noyé et je comprenais pas le principe. La vache. Bon, ça, tiens, on va le compresser un peu ici. Donc, je peux faire un X. Et on va le copier ici. Et là, je peux le copier. Oula! Oh non! Je l'ai copié deux fois. Bon, alors, attends, c'était comment? Attends, c'est encore pire. Allô maman? Sauf que c'est pas la bonne forme. Ah si, c'est bon, c'est la bonne forme. Ouf! Bon, on est revenu comme avant. Donc on va s'en recopier une ici. Donc là, on va faire attention. C'est échappement. Voilà. Alors, il faut mettre les ronds à droite. Et il faut mettre les carrés. Non, à gauche. Et les carrés à droite. En bas. Salut, prof. Je pense qu'on va manquer de place. Alors, attends. Ça, on va plutôt le mettre ici. Et là, on va manquer de place. Hein. On va tout déplacer d'un cran vers la gauche. Je peux faire du coupé, hein. X. Alors, comment on va faire? Voilà. Donc le carré, il est là. Et le rond, il est là. Et voilà. On va en produire 3. Donc on va en faire un peu plus. Alors est-ce qu'on pourrait en mettre. Est-ce qu'on pourrait aller plus haut? Théoriquement, oui, mais le problème, c'est l'approvisionnement, quoi. On va coincer avec l'usine à blanc. Ah! Bon, déjà, si on regarde.
Angers, on doit être. On était à combien tout à l'heure? Et voilà, on est passé à 342. Donc lui, petit à petit, il va monter aussi. Ah, quoique, du coup. Hein, ici, il y avait la queue. Maintenant, elle y est beaucoup moins la queue. Hein. Il faut dire qu'on divise notre production en deux. Alors, est-ce que c'est bien normal, ça? Ah ouais, parce qu'on a toujours besoin de ça aussi. Ok, 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 ok. Salut Alcorus, et salut Samy et Abid. Je suis niveau 16. Enfin... Est-ce que je vais passer... Non, je vais passer le niveau 16. Donc je suis niveau 15. Allez, le plus moins il est fort. Comment on pourrait faire? Ah ben là ça bloque du coup. Maintenant c'est l'autre qui... Il faudrait presque que j'en ai plus là. Tac 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 tac. On voit que c'est bloqué même au dernier cran. Alors comment je pourrais faire pour en faire plus? Bah on peut allonger par là, hein, on a de la place. C'est-à-dire on peut rajouter un cran. Il suffit juste là de pop pop pop. Faire un peu de place. Ici on va avoir le même souci, donc allez. Et donc, à la limite, on peut même faire un petit truc dans ce style-là. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était recopier celui-là. R, R, T, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Carcosian, salut à toi, 24e mois. Waouh. Carotte de d'obsidienne. Je crois, hein, le 24e mois. Tu es carotte d'obsidienne. Waouh, vache. Salut à toi et merci, merci pour le soutien. Un gros, gros, gros bisou. Donc en faisant un double système comme ça, bon celui-là on l'enlève. Donc là je divise 50, 50. Et le 50 je le redivise en deux, donc 25, 25. Donc ici j'envoie 75% de la production et j'envoie 25% ici. Sachant que l'autre il ne sert en fait que pour ça. Hein, donc il n'est pas prioritaire. Donc du coup ici, ploup ploup ploup. Et ben ça rebouchonne ici, j'ai même pas besoin d'en rajouter en fait. Le fait d'avoir. Bon, j'étais parti pour en rajouter une, on va en rajouter une, hein, mais bon. Ouais. Copie. Voilà. Une carotte un peu dure à manger. Ça doit faire mal au dents. Alors l'obsidienne, ils en ont fait un truc très très dur dans Minecraft. Dans la réalité, l'obsidienne, c'est du verre. Hein. Donc... Bon, on s'aperçoit que notre machine maintenant ici, c'est celle-là qui coince. Oh là 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 là. Va-t-on s'en sortir? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire des étages supplémentaires? Sachant qu'en fait, on voit que dans celui-là, poup, 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 il en arrive assez peu. Donc en fait, ce qui coince encore, c'est la production de ça. Hein. Alors là, le problème, c'est de récupérer
encore un nouveau cran de carré bleu pour aller au-dessus. Je pense que les développeurs de Mojang, comment il s'appelait, celui qui a mal tourné là, qui a vendu son âme pour de l'argent, enfin vous voyez de qui je veux parler, il avait des notions de physique. Il y a plein de trucs dans Minecraft hein, qui sont là depuis les premières versions et qui paraissent bizarres un peu. Les gars sont pas vraiment documentés quoi. Bon, ça c'est le problème de ce jeu, c'est qu'à un moment donné, on coince. Voilà. On coince franchement. Bon, là, éventuellement, je pourrais faire une sortie dans un autre sens. Hein, on pourrait faire une sortie par ici. Donc il faudrait que je fasse ça. Que je change le T, rotation. Ah ouais, mais... Ouais, c'est... Voilà. Donc là, éventuellement, j'ai un peu plus de place. Mais guerre. Guerre. Guerre, guerre, guerre. Surtout, c'est la duplication du carré bleu, quoi. Comment je pourrais faire? Ah, ou alors je fais un tunnel super long. D'ici à ici. Est-ce que c'est possible? Alors attends, on va le prendre. On va prendre le... Donc T, tunnel de niveau 2. Admettons que j'arrive à faire un tunnel d'ici. Cloque. Jusque... Ah bah non. Ah non, il est quand même... Oh vache. Il va falloir attendre les tunnels de niveau 3. Ah oui, porter 8 cases. Ouais, ok. Bon, c'est pas assez. Je voulais faire... Je voulais enjamber tout le truc en fait. Salut Den Azerty. C'est quoi le jeu? C'est chapez.io. Il faut créer des formes. Livrer des formes à un centre. Alors c'est... Il y a les formes et les couleurs et des assemblages de formes. C'est assez rigolo comme truc. Alors si tu veux découvrir, il y a ma playlist sur ma chaîne YouTube chapez.io. Il y a une playlist. J'en suis là au sixième épisode. Il y a eu quatre... Donc c'est le quatrième live et il y a eu deux épisodes intermédiaires. Si tu veux découvrir les débuts, tu peux. Bon. Moi, j'aimerais bien faire une quatrième branche, mais je coince. Alors, je peux tout déplacer encore d'un cran à droite. Hein, ici, en faisant un clic-clic, ça pourrait le faire. Hein, vous voyez, je fais comme ça, X, et je l'amène ici. Donc là, on le raccorde comme ça, et ici, il faut tout raccorder, tac, 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 et tac. Chaque fois que je fais ça, j'arrête la production, hein. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, hein. Donc du coup, là, je vais avoir de la place pour ramener un carré bleu ici. Normalement, il n'y a pas de problème. Je dois pouvoir faire... Ah non, il faut que je fasse... Faut que je le divise. Puis que je fasse un tunnel. Allez, on va manquer de place quand même, hein. Comme quoi, au début, conseil, installez-vous dans des endroits où il n'y a rien pour construire vos usines. Parce qu'après, on coince. Voilà. Après, on coince. Alors, éventuellement, je pourrais faire une diversion ici, passer un tunnel.
Mais bon, je vais rester coincé là, quoi. Bon, est-ce qu'on peut les amener par le haut? Ouais. Ça serait un peu tiré par les cheveux, hein. Faudrait que je prenne des carrés, que je leur fasse faire tout le tour. Comment je pourrais faire? Là, on est à combien? On est à 26 000. Sinon, après, l'autre méthode, c'est on n'optimise pas et puis on attend, hein. Mais bon, on est à la moitié et ça fait déjà un moment que ça tourne, hein. Il en faut encore 24 000 et on est en quoi en production? Produit. On en produit 348 par minute. Mille divisé par 348, il faut 68 minutes. Il faut 1h08. C'est un peu long. Bah, du coup, on aura passé le niveau 17 avant la fin du live, hein, puisqu'on live jusqu'à 15h45 sur ce jeu. Sinon, après, il y a carrément, on déplace toute l'usine, hein. Est-ce que je peux déplacer cette usine-là plus vers l'arrière? Oh, je peux la déplacer facilement de deux crans. Intéressant ça. Parce que si j'ai deux crans, j'aurai plus de place pour faire des alimentations pour l'usine-là. Est-ce que je peux la déplacer de plus de deux crans? C'est pas gagné. Alors, voyons ça. On va prendre tout ça. On fait un X. Confirmer la coupure. Oui. Et je viens m'installer. Attends, j'étais. Non, j'étais là. Donc je viens m'installer ici. Plaque. Pourquoi il est plus alimenté, lui? Ah, parce qu'il est là. Ok. Voilà. C'est tout bon. J'ai tout raccordé. Plaque, 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 plaque. Donc là, normalement, je devrais avoir peut-être un peu plus de place pour passer des tunnels, non? Ça, je peux plus le resserrer par ici. Donc, attends, alors ça on l'enlève, et là on va mettre un comme ça. Donc ici j'ai un petit bubute, donc je peux le passer aisément ici. Et je vais pouvoir alimenter, hein, parce que dans le principe, on va refaire une sortie. Ctrl C, hop. Voilà. Donc maintenant, faut du rond. Alors j'aurais pu faire un tunnel long pour avoir plus de place ici, hein. Tunnel niveau 2, pack, pack. Voilà.
Parce que là, mettons que je fasse ça. Là, je fais ça. Et ça, je remets un petit tunnel ici. Tac, tac. Et voilà. On en sort un quatrième. Oh, on va augmenter le rendement. Bon, là, on atteint la limite, hein, de nos petites magouilles. Combien on produit? 444. Où est la calculette? 24 000 divisé par 444. Allez, on est passé à 54 minutes. Intéressant. Salut Catalina. Catilina. Merci, excuse-moi. Pop, pop, pop. Bon, bah 54 minutes. On doit plus être à. On est à 28 000 là. Hein. Donc il en manque 22 000. Ouais, à 15 h, ça va être fait. Donc pendant ce temps-là, ce qu'on va faire. Alors déjà, je vais récupérer. Copiquer. On va faire un test pour savoir où elle est produite cette truc-là. Elle est produite ici. Donc je fais un M, je fais un CTRL V, OK. Ah oui, il m'a rajouté ça ici. Donc c'est la forme. Ah, je sais pas si on la voit. Ouais, ici. Pop. OK, d'accord. Bon, on va laisser tourner ça tranquillement et pendant ce temps-là, on va aller regarder. Est-ce qu'on peut améliorer d'autres? Donc on va bientôt passer au niveau 5 au niveau extraction, puisqu'on produit ça. Mais si on veut le faire aussi au niveau découpage, rotation et empilage, et puis mélange et peinture, il va falloir faire ces deux pièces-là. Alors, celle-là, elle va être dure. Celle-là, on l'a presque déjà. Parce que le moulin à vent magenta, le rond blanc, on le produit déjà. Le moulin à zèle magenta, voilà. En fait, j'ai trois usines, une qui fait des ailes rouges, une qui fait des ailes magenta, avec une usine à peinture, et une qui fait des ailes bleues. Donc, l'usine qui fait des. Il faut juste que je ramène des ronds blancs ici. Alors, j'ai une usine à ronds blancs. Ah, elle est là. Vache. Avec une sortie, tout sort. Pour ici. Alors je peux peut-être dériver un autre truc. Et il faut que j'amène mes ronds blancs ici. Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit où je ferais des ronds blancs? Aïe, ici. Ici, ici, ici. Ouais, c'est plus près. Mais il faut que j'aille quand même et je suis perdu. Donc c'est ici. Par contre, comment on retrouve une forme Bon, maintenant le rond blanc c'est facile, c'est CW, 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 CW quoi. Si je fais M. Et je tape CW, 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 CW. Donc Circle White, Circle White, Circle White. Hop! Ouais. Alors par contre, pour récupérer la production et l'amener plus loin. Alors, il faut que je l'amène ici. Et ben, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une dérivation ici. D'autant que là, bon ça c'est des formes pour les copies, donc faut que je fasse attention, j'en ai absolument besoin. On va se faire une petite dérivation ici. Il faut qu'on aille ici.
Un petit tunnel. Donc tunnel de niveau 1. Pop, pop. Alors on va l'amener le plus bas possible. Oh cool. Il n'y a pas une grosse différence. Et entre le tunnel, il a 5 cases de portée. Et l'autre, il a 8 cases. Sérieux. Et du coup, Lynn, t'en es à quel niveau? Donc là, on va se faire un assemblage. Donc on va se faire ces formes, cette forme-là. Donc j'appuie sur le I, je fais copier. Ici, j'appuie sur M, je fais CTRL-V et je fais OK. Voilà. Et il s'est mis ici. Il me faut une usine de Méli-Mélo. Pop, pop, on va en reprendre une qui existe, hein. Bah, celle-là, par exemple. Elle m'a l'air très très bien. Il faut juste pomper tout ça. Ouais, c'est bon. Je vais à ici et je fais une rotation. Pop. Par contre, il faut que je... Ah non, c'est une triple. C'est une triple qu'il faut faire. Parce qu'il faut mettre un moulin magenta dans un cercle blanc et mettre les deux dans le moulin magenta. Ah, Dudul, t'es au niveau 20. Au 15, dit Lynn. Ah, ben, comme moi alors. Tes ronds sont très loin. Ou tu fais X, tu copies ta zone. Si t'as assez de forme pour faire la copie, tu copies ta forme et tu la déplaces. Il y a juste après l'alimentation à retrouver. Toutes tes usines et tout ça, elles sont bonnes, quoi. Oui, il faudrait que je fasse une usine triple. Ou une triple combinaison. Est-ce qu'il m'a fait le copie, là? Non, hein, si j'échappe. Dans le principe, ça va être la même chose, sauf qu'on va l'alimenter sur trois zones. Ici, on a... Et au milieu, on va venir mettre les blancs. Donc il va falloir qu'on combine. Combinazione. Bon, pour l'instant, on n'optimise pas. Là, on est en pleine conception, là. Donc ici, donc on a combiné un rond blanc sur une étoile, sur un moulin. Et donc il faut refaire une autre combinaison. Pour venir poser un moulin sur ce truc-là. Hein, puisque ce qu'il faut faire, c'est ça. Et ben donc on reprend ça. Et c'est bon. Bon ben c'est ça qu'il faut faire. Alors, comment on va alimenter ce bazar-là? Pour le mettre en cascade. C'est là où il faut réfléchir un petit peu. Donc déjà ça, il faut penser à le sortir. On va le sortir à droite. Ceux-là, on peut pas les enchaîner plus, hein. Le blanc, il va falloir le dupliquer pour qu'il aille aussi au truc suivant. Donc je pense qu'on peut le dupliquer ici
et on le passera avec un tunnel. Donc tac, tac. Ici, on arrivera ici. Et donc le module, il recommencera en faisant tac, tac. Donc lui, on doit le dupliquer aussi. Tac. On va le dupliquer au même niveau pour que ça soit plus facile. Donc lui, il aura une arrivée ici. Et lui, il ira ici. Et là, on reduplique. Et lui, la sortie, ben on la fait par ici. Un petit tunnel. Pop. Pop. Oh. Pardon, madame. Pop. Ah. Faut recommencer le tunnel, hein. Une fois qu'on l'a cassé. Voilà. Et voilà. Donc si on veut recopier, si on veut faire X module, on va pas avoir grand-main de place. On va recopier tout ça. Non. On recopie que ça. Et on vient le mettre là. Poup! C'est tout bon. Donc lui, on l'amène là et il nous faut une forme chelou. Il nous faut ça. R. Pop. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir en faire encore une fois. Copie. Pop. Bon ben là on a terminé. Tac. Oui, bah ça on n'en avait pas besoin du coup. Et ça on l'amène. Bah la livraison elle se fait où? C'est un bus de livraison ça? Ouais. Bah on va venir se brancher sur ce bus là. Tac. Tac. T. Non, t'es. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est dans l'autre sens. Non, bah c'était bien. Ouais, c'était celui-là. Hop. Et normalement. Voilà, c'est bon. Celle-là, on la livre. Ouche. Faut vraiment que tu prévois plus d'espace pour tes futurs projets de machine. Ouais, je crois, hein, Creeper. Salut, Banca. Alors je pense qu'à un certain niveau, on doit commencer à bloquer. Hein, bah déjà, il faut laisser tourner assez longtemps. Ou alors vraiment, oui, avoir de la place pour pouvoir faire des gigantesques machines, en fait. Et je crois que c'est Dudule, c'est toi, Dudule, hein, qui avait mis des screens de tes machines. Pop, 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 pop. Alors tu peux jouer en démo hein, au départ, le temps d'accrocher. Après le prix est vraiment pas cher. Hein. Sans faire de pub, hein, je suis absolument pas. Alors, est-ce qu'elle tourne bien la machine? Du blanc, on en a plein. Notre petit souci, c'est les ailes de moulin. Alors la production des ailes de moulin, elle est où? Elle est là. Ah ouais, déjà là j'avais Ah oui, j'avais fait ça. Je m'étais amusé à faire ce petit truc là. C'est rigolo ça. Et on peut encore en faire là, parce que ça bloque. Et en fait, on peut en faire à l'infini. Tac, 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 tac. Ça se décale à chaque fois. C'est-à-dire, je copie ça. Et ça vient là. Tac. Ça vient là. Et donc là, après chaque poubelle, pack. Et puis là, c'est tout. Alors, soit on tire là, ou soit on vient se raccrocher ici et. On s'est rajouté deux usines. Bon,
Du coup, elle est moins alimentée. C'est le fameux découpage 50-50, 50-50, 50-50, 50-50. En fait, à un moment donné, il vaudrait mieux. Là, par exemple, je découpe 5 fois. Il vaudrait mieux que ça, je dise, bon ben, celui-là, je vais l'alimenter ici. Donc ceux-là seront plus mieux achalandés quoi. D'autant que j'ai encore fait un découpage ici, tac, tac, tac. En fait, celle-là est surchargée puisque c'est du 50-50, alors qu'en fait. Salut Jewan. Alors on peint. T'as 20 lignes de production. Ouais, y a du dul. À un moment, il faut supprimer des machines pour en faire des plus grandes et plus espacées. Ouais, peut-être. Bah sinon après on part dans le spaghetti comme ce que je viens de faire là. Bah bon, moi j'aime bien le spaghetti. Par contre, ouais, il faut optimiser le truc. Là, j'ai une entrée, deux entrées, trois entrées, quatre entrées, cinq entrées, six entrées, sept entrées. Mettons qu'on en fait 8 pour faire un contron. Moi, j'aime bien les controns. Donc c'est, on vient le mettre là. Donc, ça veut dire que les quatre premières, il faut que je fasse une première division ici. Les quatre premières seront alimentées par cette branche-là. Les quatre suivantes, donc ces quatre dernières-là, 1, 2, 3, 4, ils vont être alimentés par celle-là. C'est bon, 1, 2, 3, 4. Ok. Et ensuite, il faudrait faire encore une division. Moite-moite. C'est-à-dire que là, c'est pas une division moite-moite. Si je veux faire une division moite-moite. Moi aussi, j'aime bien les controns. Merci, Jay. T'es à combien? Tiens, un deuxième bisou. Salut, Beben. Sauf qu'à un certain point, même le spaghetti suffit plus. Ouais. Bon, donc là on a bien découpé. Moite, 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 moite. Là par contre, c'est pas moite, moite. Hein. Donc on va redécouper. Ici. Ah ouais, sauf que. Sauf que ça va pas le faire. Ok. C'est comme la fondue, c'est une division moitié-moitié. Laquelle de fondue? La savoyarde ou la suisse? Ah, ou la bourguignonne. Ah, il y a aussi la chinoise. Alors, comment on pourrait faire là? Parce que là, on va avoir un petit problème de place. Vous voyez mon problème, hein, ici? La Suisse. Celle qui est pas bonne? Oh zut, je viens encore de me mettre un pays à dos. Oh brin. La bourguignonne, non, c'est de l'huile. C'est de la viande dans dans une friture, je crois. La chinoise, c'est dans un bouillon. Et la savoyarde et la suisse, c'est du pain dans du fromage. Mais les Suisses, ils rajoutent de la. Ils aiment bien les trucs un peu. Donc ils rajoutent de la farine. En habitant la Haute-Savoie et en ayant travaillé en Suisse, je te raconte pas les repas bagarres qu'on a pu avoir entre les Suisses et les Savoyards pour savoir quelle était la fondue la meilleure. Moi, comme j'étais pas au Savoyard, je regardais en observateur neutre et on comptait les points. Plaque, plaque, plaque. 19 300, ce n'était pas beau, on est d'accord?
FPS, pas de farine dans ma fondue, moi. Mouette, mouette. Donc c'est pas une Suisse. Pour qu'elle soit suisse, il faut qu'il y ait de la farine. Vin rouge, vache, une fondue savoyarde vin rouge. Mais vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Bon, hé, hey, ça résout pas mon problème, moi, cette histoire. Comment je fais pour... Ah, si, je peux le tournicoter. Attends, attends. On va le tournicoter. Tournicoton. Lui, on va le sortir comme ça. Il doit y avoir moyen de revenir comme ça. Attends. Il doit y avoir moyen. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Mettons qu'on fasse ça. Parce que là j'ai moite, moite. Ça va être très chaud. Non, je pouvais pas pouvoir. Bon, je vais le rhabituer. Là, je viens de casser mon usine, hein, on est d'accord. Parce qu'en faisant comme ça, vous avez bien compris que j'en envoyais 50% ici, 25% ici, 12 et 12. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on ait 25, 25, 25, 25. Comme j'ai fait là. Plop, plop, plop. C'est très joli en plus. C'est très graphique, c'est très beau. Parce qu'en faisant comme ça, ça veut dire que celle-là, bleu, il y en a plein. Celle-là, il y en a un petit peu moins. Celle-là, il y en a un petit peu moins. Et celle-là, il y en a quasiment pas. Mes machines sont mal alimentées. Tu confonds peut-être avec la Suisse allemande. Bon après, si tu prends Genève, voire même le canton de Vaud, qui est quand même bien... c'est plus des cantons purs, hein. Ils ont subi l'influence des bonnes choses, quoi. Après, ce qu'il faudrait en fait, c'est au lieu de tout ramener ici, c'est tout ramener ici. On est d'accord, hein. C'est-à-dire que là... On va faire les fusions comme ça. J'ai tout préparé. Ouais, bon. Donc là, 2, 2, faut que j'en fasse encore 2, voilà, et là j'ai quelque chose d'équilibré. C'est le gogo. Fondu au vin rouge directement, dit Mimiche. Ça doit être bizarre. Hein. Ça doit sortir, surtout avoir une odeur. Bon, ben là, on fournit. Hein. Alors là, si notre. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Si notre rendement est pas excellent, excellentissime. Ah non, on est à 300. 300 pour celle-là, et puis pour l'autre, alors... Oh vache, on est à 198. 198 par minute. C'est pas gégène, gégène, hein. Où est-ce que ça coince?
Là, il y a du stock. J'ai l'impression que c'est le blanc. Non, non, le blanc, il est chargé. Non, non, le blanc, c'est bon. Là, ça, on va le supprimer parce que... Ouais, le blanc, il est chargé. Non, c'est les étoiles, hein, qui arrivent pas assez, quoi. Bon, après, c'est les étoiles bleues qui sont prioritaires, hein. On est à 36 800, on doit arriver à 50 000. Hop. J'ai one, j'ai de la viande, j'ai du vin rouge de Bourgogne. Prends plutôt du Bordeaux, quitte à prendre fiche en l'air le vin. Hein. Oh, vache. Ça m'apprendra à dire des bêtises. Parce que je me suis encore mis à dos une région de France. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Nickel chrome. Alors, le centre, il est où? On est à 37 000, ça arrive doucettement. Pop, 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 pop. Au niveau des améliorations, eh ben on va bientôt passer à niveau 6. Eh oui, pour les convoyeurs. Bientôt au niveau 5 pour l'extraction. Niveau mélange peinture, c'est fait. Il va falloir qu'on s'occupe de cette petite forme de brin. Il nous faut une étoile verte. Dans un rond à damier rouge et blanc. Vache. Bon, on va déjà faire l'étoile verte. Bon, il nous faut des étoiles, il nous faut du vert. Où est-ce que j'ai des étoiles? Étoiles. Oh, j'ai une grosse production d'étoiles ici. Alors, je produis des étoiles blanches. Je produis des étoiles rouges. Je pourrais produire des étoiles vertes. Oh, j'ai même, j'en réextrême même ici. Oh ben là j'ai du vert, j'ai des étoiles. Ah oui, là je peux pas passer. Si je veux passer de l'autre côté, je vais pas les séparer comme ça double le. C'est un double bus. Double bus. Et là, c'est bien des étoiles. Oh, cool! Mais c'est génial ça! Pareil, double bus. Qu'est-ce qu'il faut? Un atelier de peinture? Bah, j'en ai un là d'atelier de peinture. Non, ça, c'est un atelier de mélange. Voilà un atelier de peinture. On va le. Non, on va. Il faut copier ça. La peinture sur les côtés, les formes au milieu. Donc, la peinture sur les côtés, les formes au milieu. Oh, bah, génial. Ouais, si je fais pas du crapoteux, toc toc, toc toc toc. Et là, il nous faut un petit tunnel. Hop. Salut qui est-ce? C'est le coloriage des moulins à vent qui ralentit le processus. Pour moi, j'ai effectué toutes les améliorations possibles. Niveau max, je dois faire une forme très tarabiscotée avec mélange de plusieurs éléments et couleurs différentes. Ouais, c'est là où ça devient un petit peu chaud. Bon, j'ai mes étoiles vertes. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ah, faut récupérer donc des blancs, des quarts de blanc en rouge et des quarts de blanc en blanc. Et tout. Alors, est-ce que j'ai assez de place là? Ouais, j'ai assez de place. Et il faut du rond. Ah bah du rond, il y en a là. Alors on va l'extraire là, et puis on va le remonter.
Ah oui, mais il faut que je le peigne en... Ah, il faut que je le peigne en blanc et en rouge. Où est-ce que j'aurai du rouge le plus proche? Le rouge le plus proche sera par ici. Ah, petite pause technique. Moi j'ai un ballon de blanc. Je reviens tout de suite. Arrête de dire des bêtises, j'ai ouais. Hop, désolé. On en était où? Ah, j'ai pas mis de... Je vais faire copier. Copier. C'était où? Vache. C'était ici. Voilà. Il faut que je ramène du blanc. Alors, du blanc. L'usine à blanc, elle est où? L'usine à blanc, elle est là. J'en remonte déjà du blanc par ici. Est-ce que ça... Ouais, il y a du blanc qui passe là. Ouais, qui passe là même. Ben, on va peindre le blanc. Ça va être nickel. On va peut-être pas forcément faire une grosse usine parce que du blanc, ben, il va pas y en avoir beaucoup, hein. Et on va faire attention en plus parce qu'il y a le vert qui passe par ici. On va le faire dans ce sens-là, peut-être. Eh ben, on va faire deux chaînes de production. Une qui va prendre les ronds en blanc et une qui va peindre les ronds en rouge. Je copie. Et je la place là dans le prolongement. Pap. Je vais avoir de la place là. Oh brin. Bon, heureusement que j'ai des sous, hein. Comment je fais pour... je peux faire ça et supra. Confirmation de suppression. Ouais, allez. Tatatac. Alors. On met les formes. Non, on va passer au milieu plutôt. Va pas le faire. Bon, on va tout redéplacer de 1. Contrôle X. Bon, maintenant j'ai du pognon. C'est bon. Ouais, parce qu'en plus faut alimenter. Allez, mettons plus de place. Bah, le blanc, c'est plus simple de l'alimenter là. Donc
Donc là, on fait des ronds blancs et après, on va les découper. De l'autre côté, il nous faut des ronds rouges. Donc il faut du rouge. Il est où le rouge? T'as créé un système qui te permet d'utiliser les 16 entrées de livraison en même temps, comme si c'était une autoroute à 16 voies. Ah. T'as un gros bus qui passe partout et que tu alimentes. Oui, une autoroute quoi en fait. Et tu viens de brancher dessus et... Salut Philippot. Salut Michel. Tac tac. Il me faut du rouge. Je vais aller chercher le rouge qui est ici. Pour l'instant, on prend ça. Allez. Voilà, allez. Il faut que je vienne ici. Il va falloir que je passe là. Ah, ça le fait pas. Là, là, là. Et voilà. On va peindre nos ronds rouges. Bon, maintenant, je crois que je vais utiliser le découpage à 4. Soyons fous. Puisqu'on l'a. Ah, il y a encore une autre sortie que j'ai loupée là. Ouais, donc faut que je me mette ici. Voilà. Pop. Ça, ça m'arrive souvent quand je copie des formes. Donc là, on découpe à 4. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme forme là? Il faut lesquels? Ah, c'est une bonne question. Il faut en haut à gauche et en bas à droite. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Bah, ceux-là, on les rotationne. Pop. Pop. Puis on les refusionne. Quoique, attends, on va carrément les... Bon là, on fait deux à chaque fois, quoi. Dans le principe, il faut faire pareil avec l'autre, mais ça doit être inversé, je pense. Donc en bas à gauche, en haut à droite. On se fusionne. Et donc là, il faut refusionner tout. On vient au milieu. Oh, c'est marrant. Ça marche. Le milieu, il est là. Et c'est bon, on a nos damiers. Yeah! Tu utilises l'objet. Salut Markcraft. Qu'est-ce que nous dit? J'utilise l'objet qui permet de séparer une voie en deux, mais pris à l'envers. On peut fusionner 4 en 2 puis en 1. Tu as fait ça pour l'ensemble des entrées de livraison. Ah d'accord. Ok, ok. Ah, donc tu as multiplié par 4 tes entrées de livraison du coup. Alors on va fusionner ça avec...
Bah, l'étoile verte, ils vont venir rajouter l'étoile verte dessus. Alors les étoiles vertes, on les a ici. Bah, on va tout faire passer par sur le côté en fait, hein. Alors est-ce que j'aurais pu ici doubler, doubler la production? Probablement, hein. Je vais m'étaler peut-être un petit peu. Oh. Moi, j'ai pas encore de problème d'embouteillage au niveau des entrées. Ouais, parce que là, il va falloir donc fusionner les deux. Pour l'instant, je fais n'importe quoi, hein. Et c'est pas la bonne. C'est dans l'autre sens. Cool. Voilà, c'est celle-là, hein, c'est la deuxième, la bonne. L'étoile verte sur le damier en cercle. Bon, toc, toc, toc. Si on se fait une petite usine à fusion, j'en ai déjà fait ça. Ouais, c'est ces trucs là. On va se faire une à 4 étages. Ah oui, mais attends, c'est de la fusion, comment ça? Oula, attends. Pop. Pourquoi c'est pas bon? Ouais, c'est pas extrêmement rapide ça. On fait l'étoile verte, après dans Holicube on fait l'étoile noire. Quelle taille elle fait l'étoile noire? Je crois que ça va pas être possible. Bon là j'ai mes Biobute, donc on se refait une deuxième. On se refait une deuxième. Une deuxième usine. D'intégration dans la foulée, donc on va se recopier à nouveau ça, on va se le copier ici, c'est bon, on a de la place, donc ça le rouge et le blanc on doit venir le mettre à gauche. Venir le mettre là. On va pas avoir assez de place, je pense.
Parce que le vert, ça veut dire que le vert, il faut venir le mettre. Z16, rien du tout en 1 sur 1, elle fait juste 10 000 chunks. 10 000 chunks. En hauteur, je crois qu'on va avoir un problème, Jay. Salut Nazca, merci pour le suivi. Ouais, ça va être très chaud, ça. Ça va être très, très, très chaud. Alors, la forme est bonne. C'est bien ça. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on en avait deux. Il faudrait qu'on les fusionne ici. Donc, on va faire un shift. Non, contrôle. Ouais, c'est contrôle. X. Il faut un petit peu de place. Pour pouvoir se faire la fusion tranquillou. Ouais, donc ça, on l'élimine celui-là. Hop. Et là, on se fait un petit tunnel qui va bien. Patatrac. Donc maintenant ça, il faut le ramener au centre de livraison. Eh ben, il faudrait que je retrouve un bus en fait. Je crois que j'en ai un là de bus. Ouais, ici. Je vais venir me raccrocher sur ce truc-là, puis ça va le faire, hein. Regarde, il est juste là. Regardez bien comment on fait. Ah bravo, ah le génie. C'est le dernier qui parle qui a raison dans le truc, hein. Allez, monstre. Alors, un petit tunnel. Voilà, on livre. Déjà 40. 40 sur 40 000. On a fait 0,1%. Attends, 40 sur 40 000. Non, 1% c'est 400. On a fait 0,1%, ouais. Ah. Bon. Eh ben, déjà, on livre tout. Ce qui est déjà pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Par contre, il y a un truc à arrêter là. Ah, c'est les shurikens blancs. Oh, ouais, mais ça sert plus à rien, ça. Ah, si, si. Oh, oui, mais non, ça sert plus à rien. 117 000 sur 40 000, c'est bon. On peut calmer le jeu là. Et puis les autres. Ah, par contre, les autres, il faudra en livrer plein. Donc il faut. Bah, faut arrêter de tout pomper. Pour l'usine qu'on s'en moque. Voilà. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des aiguillages. Et là, Mimichi nous dit, dans la prochaine version, il y aura des aiguillages. Et s'il y a des aiguillages, on fait des trains, hein. J'ai pas raccordé les tunnels. Exact, exact, mais. Ah, brin. Comment que ça se fait que j'ai... Ah oui, souvent je fais ça, je le pompe sans le tunnel. Ça m'arrive excessivement souvent de faire ça. Ça va déjà être plus performant. Ouh là 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 là. Oh, le rendement de dingue qu'on a. Ah oui, mais il faut dire que j'ai redirigé. Non, j'ai rien redirigé du tout. Bon, c'est là, le point faible va être ici, la découpe. Ça va être le petit point faible, je pense. Moi aussi, je fais des pompes sans tunnel, sinon j'en ferai pas souvent.
On pourra faire la gare du Nord dans Chapez. J'ai oublié d'enlever un aiguillage. Oh là là là. Alors attends, c'était où le truc? Ah non, je voulais quand même en fournir un peu. Je voulais quand même qu'il y en ait. Oh, ou pas. Ou pas, ou pas. Hein. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la forme I, copier, pour savoir où elle est fournie, on se dit, oh, on n'arrive plus à la fournir, comment ça se fait? Donc c'est un M. Hop. Et du coup, j'enlève celle-là et on n'en produit même plus du tout, quoi. Et tout part. Toc, 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 toc. Tout part pour faire ça. Oh, bientôt niveau 5 en extraction. Bon, cela va être assez long, hein. Niveau centre, on est à combien? Oh, bientôt le niveau 16. Vivement les portes logiques pour contrôler les usines. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, par exemple, les carrés. Je délivre toujours les carrés. Je crois que c'est ma plus grosse production. 217 000. C'est ce que j'ai le plus stocké. Ouais, 217 000. C'est de la folie. C'est de la folie, les amis. C'est complètement dingue. Est-ce qu'on a moyen quand même d'améliorer Que là c'est dommage, on a mis 4 ateliers de peinture pour finalement coincer ici bêtement quoi. C'est ballot. C'est très très ballot. Bon après c'est pas compliqué de le démultiplier, hein. On a 4 sorties, poc poc poc. On fait ça, c'est. Bon, on vient le redupliquer carrément ici, hein. On s'embête pas. Pack. On se fait. Un petit tunnel ici, ici, ici on a ça, et là on se fait un. Voilà, et ça faut venir l'alimenter donc avec des ronds. Donc on laisse les. On pique ce blanc là, hop hop hop, petit tunnel, hop hop. Et voilà, pop, 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 pop. On a doublé la production de blanc. On double la production de rouge. No problem, oi. Petit tunnel. Ah, j'ai mis le bazar. Oh non. C'est bon, j'ai tout réparé. Par contre ici ça va être plus chaud. Non, ça, non, non, ça va le faire. Suffit de petit tunnel ici. Hop, plop, 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 plop. Petit tunnel de l'autre côté. Et ici intégration. Tac. Et voilà. Plop, 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 plop. On a doublé la production de notre usine. Quand est-ce qu'on fait du rosé? Ben on peut pas. En fait, on peut pas faire de rosé, Jay. Mais bon, c'est les hérétiques qui font du rosé en mélangeant du vin blanc avec du vin rouge, hein. Du blanc avec du rouge.
C'est hérétique. C'est mal, Dieu. Bon, ben ça me semble pas mal, ça. Après, on peut. Ça va être plus dur de tripler, hein. Il va falloir bouger des trucs. Alors, par contre, j'ai dû faire une erreur parce que là. Ah, ouais. Attends, il y a un truc qui marche plus là. Voilà. Ok, dac. On a tout piti. Voilà, ça rebouchonne à nouveau, c'est bon signe. Quand ça bouchonne, c'est que c'est bon signe. T'as pas dormi? Comme d'hab. Bon, ben voilà. Bah on a fini le jeu, non? Il reste des trucs à faire là. Parce que c'est pas qu'on s'embête, mais Et bientôt bientôt l'heure de goûter. Ah bah non, il est que 15h13. Non mais bientôt les 50 000, hein, et on aura le double peintre. Ouh là 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 là. Bon, il y a des formes qui sont. Il y a des usines qui sont pas optimales, mais. Qu'est-ce que j'avais noté qu'il fallait faire? Améliorer le rendement de la forme niveau 16. Bon, ça, on l'a fait. Je check. Je mets une croix. Améliorer le rendement de l'usine à blanc. Amélioration forme à faire. Donc, ça, c'est fait. L'étoile verte. Bon. Et le moulin magenta dans un cercle blanc, puis dans un moulin magenta. Donc ça c'est fait. Pourquoi j'avais noté amélioration de rendement de l'usine à blanc? L'usine à blanc. Et j'avais dit, il manque du bleu. Bon, elle marche très bien l'usine à blanc. C'est peut-être pas celle-là alors. J'ai l'impression que j'en ai plusieurs. Après, si on veut plus de production, on duplique les lignes. Hein. Salut Real Mohican. Ça, c'est important, usine à blanc, nous dit J1. Bah ouais. Non, mais en plus, là, c'est à moitié bloqué parce que probablement que c'est l'usine que j'ai. S'en sert là. Ah, et celle-là elle est bloquée parce que. Pourquoi? Ah oui, parce qu'on fait plus de. On fait plus de shuriken. Ok. Ça c'est. Ça, quand ça passe dans tous les sens, j'adore. Je pense que jouer en modé avec Buildcraft, ça me manque. Non mais c'est. Hey, c'est génial. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Bon, au niveau amélioration, ça va pas tarder à être bon au niveau convoyeur, on va passer même au niveau 6. Bon, cela, ça va être un peu plus long, hein. On est clair que les 40 000 pour celui-là, celui-là, on a commencé tout à l'heure, on est à 9 000. La forme, celle-là. Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer? Il faudrait plus de moulins. Il faudrait plus de moulins. Et encore, bon, vous avez vu, j'ai triché. Enfin, triché. Pour pas faire du 50-50. Donc ici, on fait 50-50. Ici, on reprend 25. Donc on est à 75-25. Et là, sur les 25, on en reprend 12. Donc on est à 80, 87,5, 12,5. Donc il y a 87,5 qui passe ici. Alors est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Ah oui, c'est ma super truc. Waouh, ouais, super. Bon, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un truc plus intelligent? Vous savez, le truc en cascade là, c'est super.
Tac, 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 tac. Non, c'est joli, hein. Il doit y avoir possibilité de le mettre en série. Ah ouais. Attends. La découpe, on jette le côté droit. Ah oui, on divise en deux. On rotationne une des parties, on les réassemble. Et ploc. Je pense qu'il doit y avoir, il doit y avoir moyen. J'aurais pu faire un copie, hein. On est d'accord. Donc l'usine, c'est ça. Plus le truc. Donc il faut délivrer. Du coup, supprime l'usine à Shuriken. Bah j'hésite, hein. Laquelle? Non, j'en ai besoin du Shuriken. Les rouges et jaunes? Alors les premières, Hualgoko, les premiers niveaux, c'est les mêmes. Alors non, les maps sont, je pense qu'elles sont différentes. Mais les niveaux sont, ce qui est demandé dans les niveaux, c'est les mêmes. Et quand je crois qu'il y a plus de, quand ils proposent plus de trucs, c'est des formes aléatoires qui sont demandées, si j'ai bien compris. Donc là, c'est la sortie. La sortie après, il faut sortir. Il faut toujours sortir par là. C'est-à-dire que l'autre forme, là, elle va forcément au moins redémarrer là. Mais comme c'est issu. Ouais, on peut. On peut l'alimenter comme ça. Donc on vient l'alimenter sur le côté. Avec une dispersion, hein, par exemple. Donc un truc comme ça. Tac. Et ici, on revient là. Ici, tac. Ici, tac. Donc on l'alimente ici. Et on récupère les trucs ici. Donc ça veut dire que là. Donc là, on a deux éléments. Est-ce que je peux venir les mettre ici? Ah, ce qu'il y a, c'est que ça fait large. Hein. Je crois que je commence les formes aléatoires car je crois qu'aucun humain n'aurait pensé à faire cette forme que je dois faire. Cent mille formes de copier-coller. Fauvache. Je sais pas si je tiendrai jusque-là, moi. À un moment donné, je pense que je vais. Il y a trop de copier-coller ou de trucs à déplacer et autres, et je sens que je vais coincer. J'ai peur de ça. Alors, s'il y a des nouveautés avec les trucs logiques et autres, je pense que je vais replonger dans le jeu, hein, avec ferveur. Mais j'ai un petit peu peur. Alors. On va le placer. Après, on peut le placer assez loin. Parce que là, il n'y a rien. Ça, on nettoie. Et là, donc, je vais faire un copie de ça. Attends, non, ça va pas le faire.
Il faut au moins que j'ai ça. Attends, ça va pas ça. Ici ça va là comme ça, voilà. Tudut. Après on peut encore en mettre hein. Nos limites, hein. Ouais, pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin? J'ai du pognon. Tiens, on peut aller jusque là même. il faut juste que ça, bah là ça s'arrête, on n'alimente plus. Donc là on récupère comme ça. Et ici, bah, on vient se mettre un petit coup de rotation. On n'est pas du bon côté. T. Ouais, c'est nickel. Hop, on se branche là. Hop. Faut juste alimenter le truc maintenant. Bon bah Bob, on y va. Voilà. Alors comme c'est une alimentation série, par contre, ça veut dire que. Le dernier ici. Il en arrive quand même, hein. Et là, je pense que la production est pas trop mauvaise. Pop, 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 pop. J'aurais dû regarder combien j'en fournissais avant. Bon, là, il en arrive très peu. Alors ça, c'est le problème. C'est déséquilibré. C'est-à-dire j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées. Si je veux que les 3 dernières, elles aient quelque chose, bah, ce qu'il faudrait faire, c'est couper ici. Non. Prendre ici. C'est-à-dire couper à ce niveau-là. Et puis, venir réachalander. Voilà. Et comme ça, ces trois entrées-là, bah, elles ont quelque chose à faire. Je pense que ça doit améliorer un peu le rendement. Alors après, celle-là, elle reçoit 50% de ces quatre-là. Et les 7, vous voyez, c'est pas logique. Alors ça, maintenant je peux le copier en plusieurs lignes, hein. Plaque, 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 plaque. Et c'est sans limite, hein. On peut en couper une en bas. Hein. J'essaierai bien de. Celle-là, elle bloque pour rien. Par contre, là, c'est trop serré. Donc, Alors, on en est où? 15h26. J'aimerais bien passer les. On en fait 294 par minute. On en faisait plus tout à l'heure. Alors, on vient de passer à 306. On vient de disparaître. On vient de disparaître dans le classement. 300. Oh. Ben. Attends, elle est produite toute celle-là. Elle est produite ici. Qu'est-ce qui gêne? Ah, c'est les moulins. Hein. C'est les moulins. Alors, le moulin, il vient d'où? C'est le moulin. C'est la peinture du moulin bleu. Ah bah la peinture c'est bon, c'est le moulin qui pop, 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 pop. Bon, si on veut accélérer le truc, au lieu de tout balancer 50-50,
On va balancer. Donc 50-50. On resépare là. Non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'était comme ça. Donc là, on fait 75-25. Hein, puisque 50-50. C'est un moulin bleu accroché à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent. Là, on jetait la clé. C'est un moulin bleu accroché à la colline. Merci, Jewan. Ouais, il me restait 2 mines. Alors, vous avez débloqué une variante du peintre. Elle fonctionne comme le peintre de base, mais elle permet de traiter deux formes à la fois en ne consommant qu'une couleur au lieu des deux. C'est pas forcément les couleurs qui gênent hein, dans les machines à peindre. Hein. Mais merci quand même. Bon, ben on est passé le niveau 16. Objectif. Ah, la forme. La forme de base, on la connaît. Ah, on l'a. Ah, donc ça... Après, il y a un quadruple peintre. Après, on devrait... donc ça devrait être pas... ça devrait pas être trop compliqué à faire. Et puis, je pense que d'ici 15h45, donc d'ici encore 15 minutes, je pense qu'on va avoir l'amélioration niveau 6 convoyeur et niveau 5 extraction. Je pense, hein. Bon, du coup, maintenant, on n'en a plus besoin de cette forme. Ah oui, elle a complètement disparu, en plus. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là vous arrêtez la produ... Vous coupez l'alimentation de cette production ou... Et vous gardez les usines, au cas où? Ou vous détruisez tout? Parce que là, on s'est enquiquiné... Cette usine-là, on s'est quand même bien enquiquiné, quoi. C'est dommage. Et elle sert plus à rien. Alors, qu'est-ce que vous faites, là, les pros du jeu? Ah, ça risque de réapparaître dans les niveaux 6. Langouste 10, il est spécial. Et Kies dit, je fais table rase du passé, je recommence tout. Bon, ce qu'il faut garder, c'est juste les usines de base, style mon usine de blanc. Enfin, mon usine de cercle blanc. Parce que ça, mine de rien, le cercle blanc, il était utilisé ici, 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 ici. Et je pense que j'ai refait une usine, mais j'en avais déjà une. Celle-là, le cercle blanc est fait ailleurs. Donc ces trois cercles blancs-là sont faits par le même truc, je crois. Et Redav dit la dernière fois j'ai cassé une usine, il m'a redemandé la forme après. Le Discord c'est... J-Wad. Tu veux pas faire une petite sieste? Bon ben on va commencer à bosser sur cette forme là. Cette forme chelou. La méga forme chelou d'enfer là. Oh. Je pense qu'il va falloir se baser. Oh, il va nous falloir un carré rouge, un carré vert, et puis c'est des ailes de moulin rouge. Alors des moulins rouges, on en fait. Des moulins rouges, on en fait. Pour ici. Donc je pense qu'on va piquer. On va piquer ça et on va les couper en deux. On va couper en quatre. Couper en 4 et puis en garder, bah, pareil, faire rotation, clac clac. Carré vert. Bon, le carré vert, c'est pas un problème. Et puis l'autre forme, on l'a, elle est ici. L'usine n'est pas extra performante, elle bloque à ce niveau-là, mais
En déplaçant tout par ici, il y a de la place. Je peux tout déplacer là, et puis là, on peut se faire une grosse usine de découpage. C'est l'usine de découpage qui coince, hein. Découpage, réassemblage. Le moulin rouge, faut le garder. Quoique, bon, j'y ai jamais été. Et c'est pas forcément le genre de spectacle. C'est pas. Comment on dit? C'est pas ma tasse de lait. Les jeunes, ils disent une autre expression, hein, mais. Allez, un petit coup de thé. Donc on va commencer à réfléchir. Réfléchir, réfléchir. On va noter. Donc ça on en a plus besoin. Ça, j'ai pas trop compris. Faudra que je sois plus clair dans mes explications. Donc, à faire. On a la forme. Étoile verte. Ah, on a une amélioration. Plus. Alors, deux quarts. Deux quarts et vert. Plus deux quarts de moulin rouge. Faut qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Ouais. Alors, attention, niveau 6. Pourquoi on va à Las Vegas? Pour le casino. Bling, bling, bling. Et le poker. Le World Championship Poker Tour. Ah vache. Et déjà, il permet de passer du niveau 10 au niveau 15. Et il va falloir 150 000, mais c'est qu'une seule forme. Donc du coup, toutes les autres formes, adios. Eh, c'est une forme simple, ça. Ouais, c'est une forme simple. Je vais copier la clé, hein, dans mon truc. Amélioration, forme à faire. Bah ça, hop. Je l'écris comme ça. R, c'est quoi? Alors, c'est carré? Et pourquoi gris? Non, je suis pas allé. Je suis jamais allé aux États-Unis. Le plus loin que j'ai été dans ce coin-là, c'est le Canada. Niagara. Le plus près des États-Unis que j'ai été, c'est Niagara, mais Niagara côté canadien. On n'y va pas vraiment pour le WPT. Ah bon? Comment on peut faire un petit carré gris, ouais. Parce que à la base, c'est ouais, c'est de la folie cette forme. Attends. Ah ben non, le carré gris, c'est le carré qui est pas peint. Faudra faire quelques manips pour le petit carré gris. Ah ouais, parce que si on le fusionne avec l'autre, il va être en gros en fait. Me dites pas comment faut faire, hein, mais comme ça à première vue, sans réfléchir, c'est-à-dire comme je fais que, tout le temps, je vois pas comment on peut faire. Mais il doit y avoir un truc. C'est compliqué, je pense que je suis promené sur YouTube, sinon je serais toujours dessus. Ouais, parce qu'avec le démodulateur, le remodulateur,
si on met deux pièces qui ne... où il y a un trou, en fait, il le met à la même taille, il le fait pas en petit. Il va le mettre à la même taille que l'autre. Je me souviens encore du Cosmo, du Vénitien, du Luxor et du dé avec ses danseuses sur les tables des bars et les tables de poker, mais bon. Sinon, le WPT, c'était bien aussi. Elles sont sur les tables de poker. Ça, c'est pour déranger... c'est pour déranger mentalement le joueur. Mais bon, le vrai joueur de poker... Bon, après, je joue pas du tout au poker. Hein. Ah, vous avez tous été... En fait, vous avez tous été regarder la soluce. La solution est facile ou c'est un truc vraiment tordu? Dites-moi juste ça. Enfin, c'est facile, c'est-à-dire que... On peut y arriver humainement ou... Ou tu dis c'est le truc... l'idée est improbable et... Et ça sert à rien, quoi. Rien que celle-là... elles sont où, mes étoiles rouges? Ah, en plus, elles sont en bas. Les étoiles rouges, j'en ai plus besoin, je peux les utiliser... Ouais, j'en ai plus besoin, je peux les utiliser uniquement pour ça. Donc je vais détourner le truc. Un truc tordu, c'est moi. C'est extrêmement tordu. C'est tordu. Il faut tenter des trucs, il faut comprendre les mécanismes du jeu pour y arriver. Ouais. Je pense à un truc, c'est qu'il faut, il faut faire l'assemblage de deux formes. Donc une forme l'une sur l'autre. Et après, on les coupe. Style par exemple, on fait au lieu d'avoir un petit carré tout seul en bas, on a deux petits carrés, donc un rectangle en bas. On vient le coller avec un, on vient l'assembler avec un demi-cercle blanc en haut, voire même les trois demi-cercles. Enfin, il faut que les deux formes puissent se coller, mais l'une sur l'autre. Et puis après, si on les découpe. Si ça tombe, ça doit marcher, ça. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Non, 15h39, on va pas trop avoir le temps de le faire, je pense. Mais je pense à un truc comme ça. Attends, si... On va se mettre dans un coin avec un carré. Voilà, un coin avec un carré. Il faudra un coin avec un carré et un rond. Ben, un carré et un rond. Nickel chrome. On va s'extraire... on va se prendre un extracteur simple. Je vais découper. Oula. Attention. Ah, il plaisante pas, hein. Le truc plaisante pas. On va découper, on va garder la moitié gauche. Le but du jeu, ce que je veux garder, c'est un petit triangle, un petit carré en bas. Avec le rond, un rond en haut. Bon, j'aime les comptes décidément. Ah oui, 20 000. Merci J1. Non, non, mais pour l'instant, je regarde pas la peinture. Hein. Je veux juste faire un assemblage. Donc attends, je vais faire une rotation sur celui-là. Pourquoi il me le met pas? Donc je le redécoupe. Et je garde le côté à gauche. Donc le côté à gauche, ça va être celui-là. Et je vais venir réassembler. Voilà.
Donc maintenant, mon petit carré, je vais venir le mettre en dessous. Donc je vais l'assembler. Ah non, c'est l'inverse. Comme d'hab, ça va être tordu. Ah non, là j'ai le grand carré. Ouais, c'est bon, mais il faut que je balance qu'un. Il faut que je balance un demi-carré en fait. Donc n'importe lequel. On va jeter tout ça à la poubelle, là, plop, 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 que ça avance un peu. Et on lui fait une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, tac. Je le découpe. Oh, c'est ça? C'est la soluce? Vous aviez dit que c'était un truc compliqué? Désolé. Non, mais c'est comme quand vous m'avez dit il faut jouer avec les mécanismes du truc, je me suis dit y a moyen de il y a moyen de jouer avec le truc quoi. Bon, il faut juste rajouter les couleurs. Donc faut les peindre avant. Mais c'est le principe quoi. Le problème, c'est quand tu refuses. Si on refusionne avec l'autre côté. Bon, faut réfléchir un petit peu pour la manière la plus efficace de la faire. Après, il faut. Ah non, c'est pas celle-là, il faut quand même en fournir 150 000, quoi. Donc. Pou 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 pou. T'as pas la soluce tant que c'est pas colorié. Mais a priori, c'est un peu dans le même principe, quoi. Bon, je ferai des tests, donc du coup je ferai des tests en petit épisode, hein, puisque le prochain live Chapez, ça sera samedi prochain à 14 h, mais j'en referai pas dans la semaine, donc je vous indiquerai, je ferai mes petits essais avec le coloriage, mais a priori je vois, si on reprend le même principe. Le problème, c'est quand. Oui, le truc qu'il faut faire, c'est quand on va refaire la fusion. Alors, je l'ai fait où? Je vais mettre une balise là. Test. C'est-à-dire, quand on fait la fusion avec la partie droite. Parce que là, on peut considérer que si par exemple c'était peint en blanc ici, on aurait bien le demi-cercle blanc et le carré gris. Le problème, c'est de l'autre côté, quand on va faire la fusion avec ce truc-là, il faut bien que ça vienne au même niveau, quoi. C'est ça la grande question, quoi. Comment ça va se fusionner si je récupère une forme normale? D'ailleurs, à la limite, là, on va voir quoi, par exemple. Bah, par exemple, avec cette forme-là. Je veux la fusionner avec celle-là. Ah bah si, c'est bon. Ça fait bien en grand. Donc si a priori, si ici on arrive avec un carré gris en haut, un quart de cercle blanc en bas, ça se fusionne correctement et la truc est valide.
Non, je pense que c'est bon. Bon, faut juste ramener du blanc, quoi. Sur ce petit modèle-là, et puis... réponse dans le prochain épisode. Est-ce que ça marche? Donc, je ramène du blanc pour peindre. Il faut peindre les deux quarts de cercle. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre le rond. Et ici, il faut venir rassembler un petit carré avec un quart de cercle, mais qui sera peint en blanc. Ou alors je vais carrément chercher un rond. Les petits ronds blancs là, pop pop, il y en a plein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le ramener tout là-haut. Ah. Ah non, j'ai d'autres ronds blancs ici. J'ai deux usines de ronds blancs. Ouais, soyons fous. D'autant que je surproduis là. Je pourrais piquer une ligne ici pour aller. Encore faire une machine spaghetti? Bah ouais, bien sûr. Je prépare le truc. Ah, je devrais déjà. Vous êtes pas sérieux, il faudrait qu'on passe à autre chose là. Ouais, faut que j'alimente en blanc. Ah, ça y est. Oh, disons, il y avait du stock dans les machines. Eh. Ah, ce qu'il faut juste, c'est récupérer. Probablement, plutôt que de jeter cette partie-là, où il y a les deux ronds blancs, on la récupère, on la redécoupe. Pop, pop, pop. Tranquille, peinard. Faut faire un truc dans ce style-là, quoi. Hein. Ah ouais, c'est pas très très joli quand même. Hein. Donc celui-là on jette. Celui-là on lui fait une rotation dans l'autre sens. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Ah non, faut faire une rotation avant de le couper. Le petit carré ici. Ah, ça a pu marcher, pourquoi? Ici, rotation. Il faut qu'il soit en l'air. Donc, rotation dans le sens inverse et découpage. Tac. Alors c'est pas celui-là, c'est l'autre. On va y arriver. Et on réassemble ces deux-là. Hop. Salut Marcraft.
Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est bloqué ici. Pourquoi c'est bloqué ici? Parce qu'il n'y a rien là. Ah vache. Attends. Donc ça c'est bon. Ok, ça roule. Donc ça, on vient bien le fusionner. C'est bien la forme, hein. Wesh. C'est bon. Non, ça marche. J'avais peur de ça, savoir la fusion des deux ici, ce que ça allait donner, mais ça marche. Ça roule. Bon, la production risque de pas être énorme, il va falloir peut-être optimiser ça pour en avoir... parce qu'il en faut 150 000. Bon, maintenant je suis niveau 6, hein, il faudrait monter les autres niveau 5. On a le temps d'arriver aux 150 000. Hein. Mais le principe est là. Ok. Ah, j'adore ce jeu. Ah, j'adore. Formidable. Ah, je commençais à m'endormir un petit peu en me disant, ah, ça va être long et pénible à farmer des trucs, mais s'il y a des petits défis comme ça, ouais, c'est cocasse. C'est rigolo. Maintenant, faut copier-coller. Ouais, c'est ça. Bah, il y a de la place là. Je crois que plaque, 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 plaque. On va pas trop s'embêter. Je vais la resserrer quand même. Plaque, plaque, plaque. Et puis, on va s'arranger pour faire un truc un peu plus. Reste dessus. Vous voulez quand même pas faire une copie, bande de petits voyous? Non, faut chercher. T'as fait une pléthore de petites usines, qu'est-ce, et à la fin, t'as atteint une production de 1000 par mois, par minute de cette forme. Oh la vache. Ouais, ça te fait 150 minutes, ça te fait 2h30 pour passer au niveau du dessus. Salut Libistraé. Bon, eh ben, hop, fin de cette première partie de live du samedi sur chapez.io. On va passer maintenant à Minecraft. Il va falloir aller. On va aller voir si on peut donner un coup de main à Auré. Allez, j'arrête l'enregistrement pour le live.